c'est la sixième édition pour nous de d'un sit-in contre les discriminations. On va remercier la mairie qui aussi soutient les valeurs dans lesquelles on s'inscrit. L'école comme la mairie, on s'inscrit dans les valeurs de la République. Vous voyez, à vous, il y a trois drapeaux. Il y a un drapeau européen, il y a un drapeau français, puis un nouveau drapeau que l'on a mis, c'est le drapeau de la paix. On a des pancartes contre le racisme et on dit des phrases contre le racisme. Il y a des sixièmes et des quatrièmes. On devrait arrêter le racisme et arrêter la discrimination envers les personnes. Enlever la discrimination et... Je suis ce projet depuis l'année dernière. C'est vraiment une manière formidable de faire prendre conscience aux enfants que certes, il y a des différences de couleurs et que le racisme est présent, mais il y a bien d'autres types de discrimination et ça, je pense qu'ils les ont vraiment touchés du doigt avec le travail qu'ils ont fait avec leurs professeurs. Une action qui se fait et qui s'inscrit aussi dans leur ville d'où ils viennent. Pour aussi délivrer un message à tous ceux avec qui ils vivent et les adultes surtout, ça c'est très important. Ils sont petits, mais eux, à leur niveau, ils peuvent aussi éduquer leurs parents, leurs grands-parents, tout à chacun.